Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est lundi. Qui dit lundi dit une semaine qui commence. Et pour le coup, dernière semaine avant le déménagement. Même pas, avant jeudi. On doit rendre les clés jeudi à fin de journée. Et ça c'est trop bien. Ça y est. Donc maintenant on met le turbo, là j'ai nettoyé toute la route, j'ai mis du produit partout là, hop, pour nettoyer tout. Il me reste à faire la vaisselle, il reste encore tout ça, tout le haut à vider, mais bon, là ça y est, on est lancé. Enfin, pour l'instant je suis la seule à être lancée, vu que monsieur n'a rien fait encore. Et où? Ben quoi, c'est vrai. Et j'avance en même temps, mais je mets... Il attend que le gâteau soit cuit, sinon il a dit qu'il allait rien faire aujourd'hui. Voilà, il faut que je mange d'abord un peu. Mais bon, je peux pas aller plus vite que le four. Donc voilà. On va vous prendre un peu tout le temps, un peu. Voilà le temps pourri. Mais alors, pourri de chez pourri. Il pleut, il fait nuit, il est 8h30 du matin. Et il fait encore nuit. Allô quoi, il fait encore nuit. Bon là il y en a un là, juste là, il veut pas être filmé, donc je respecte ses choix. Oui, on va en venir à cette question par rapport aux enfants. Les enfants seront floutés, les grands. Mélina et Gabriel, on les apercevra. Mais Lucas, Kylian et Mathéo, on les verra plus du tout sur les vidéos. N'est-ce pas? Tout à fait. Donc voilà, bon allez, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Bon, je vous reprends. Petite pause. Cappuccino. J'en peux plus. J'ai fini la cuisine. Enfin, côté... Vaisselle. Ouais, ce côté-là. Pas ce côté-là. Parce qu'il y a... J'en peux plus. Donc, petit bilan. On a fini le côté... La chambre aux garçons. Là, on est en train de faire la chambre du milieu, mais bon, vous avez quasiment jamais vu le haut. Hein. Donc bon, c'est pas trop grave. Hein. Donc la chambre des garçons, c'est fait quasiment. La chambre du milieu est en cours. Moi, je vais aller aussi attaquer... Attendez, je fais mon cappuccino en même temps. Je vais aussi aller attaquer le... Qu'est-ce que t'as, toi? T'as entendu le micro-ondes? Mais... T'as mangé déjà? Je sais même plus ce que je disais. Je vous reprends après. Hop là. Bon, maintenant que c'est un peu plus calme, que la petite elle est posée dans les bras de son père, j'en profite. Là, je vais aller faire un aller-retour au camping-car. Je vais amener ça. Je vais amener cette caisse ici. J'ai quelques caisses à amener que je vais ranger de suite. Comme ça, et bien, je vois ce que je garde, ce que je garde pas, ce qu'on met au box ou pas. Et puis voilà, là où il y a, ouais, comme je disais tout à l'heure, il y a deux chambres de vide quasiment. Une de vide sûre. Il y a juste
un peu de peinture à refaire. La deuxième pièce, il y a des trucs qu'on doit descendre et juste passer un bon coup de balai et après aspirateur. Notre chambre, on va la finir peut-être tout à l'heure. Et après, c'est tout. Le haut sera fait. Bon, la salle de bain, il y aura quelques trucs à enlever. Mais ça, à la rigueur, c'est pas la salle de bain qui va prendre 2 heures. Donc là, je fais l'aller-retour au CC. Et puis voilà. Et voilà, je viens de ranger toutes les caisses dans le camping-car. Donc, alors, je ne vais pas y voir grand-chose. Alors ici, c'est tout le salé, entre boîte, pâte, lentilles, enfin, bref. Et tout le sucré qui est ici. Le lait d'avoine, le cappuccino, le sucre, le chocolat, la farine, etc. etc. Ensuite, j'ai mis ici... Il y a le sel, les épices, voilà, les vides, le chocolat en poudre. J'ai mis des trucs, quelques trucs, mais bon, le chocolat, il va aller là-bas. Et puis, c'est tout. Après, je vous ferai un petit room tour complet avec tout ce qu'il y a dans les placards, etc., etc. Donc là, mais, je vais rembarquer tout ça. Je vais rembarquer tout ça, je coupe vite parce que j'ai la batterie qui clignote, j'espère que ça va pas couper. Donc je vous dis à tout à l'heure. Coucou, on est mardi. Ce matin on a déjà fait un premier voyage. Cet après-midi, on va refaire un autre voyage. On va amener le frigo, le congélateur, les sommiers. Et plein d'autres trucs. C'est David et Matt qui vont y aller. Moi je vais garder les filles. On va aller à la maison. Parce que là on est encore dans le CC. Maintenant c'est fini la maison. Je vais finir ma chambre là-haut. Mettre un carton. Faire le... Jeter ce qu'il y a à jeter. Et puis voilà, là je suis en train de faire à manger. Donc pour midi, ça va être des asperges avec des pâtes et ça suffit. Et puis voilà. Arrête où je te filme, toi. Bon allez, je vous dis à tout à l'heure, je vous filmerai quelques passages dans la maison. Et pour vous montrer où on en est. Et en plus il n'y a plus de batterie, c'est génial. Et recoucou, donc je vous reprends un petit peu, on fait un petit peu le récap. Là on est dans le camping-car, accompagné de mon cappuccino. Alors on est toujours mardi. On est en fin d'après-midi, là il est 17h par là. Même peut-être un peu plus passé. Gabi a pas fait la sieste, moi je suis restée dans le camping-car. Les hommes, Mathéo et David, sont allés amener le frigo, le congélateur, le matelas, le micro-ondes. Je crois que c'est tout. Ouais, dans le camion qu'on a, on peut pas trop non plus en mettre. Mais bon, c'est toujours ça et c'est super, ça nous enlève vraiment une épine du pied. Bref. Non, désolé, on a été coupé. J'ai Gabi qui s'était assise sur le volant. Normal. Je disais. Je sais plus. Ouais, là les hommes ils sont pas encore revenus. Dès qu'ils reviennent, et Mathéo il va prendre le relais un peu avec sa soeur. Comme ça moi je vais pouvoir finir de vider l'eau parce qu'il y a ma chambre, mais c'est tout ce qui va à la déchetterie.
faut tout mettre en poche, faut tout vider, faut tout descendre. Demain c'est demain matin, s'il reste des trucs à amener, ou ce soir, on va voir là, on va faire vite le tri. Si ce soir il reste encore des trucs, on fera un voyage ce soir, sinon on fera demain matin. Gabi, s'il te plaît, viens ici. On le fera demain matin et demain après-midi, c'est la déchetterie, en sachant que la déchetterie est ouverte le lundi. Ouais, le lundi, le mercredi et le samedi. Ça n'a pas ouvert beaucoup dans ce village, hein. Vivement qu'on parte. Donc voilà. Et puis après, gros ménage. Si je peux en faire déjà dès ce soir. Une fois qu'on aura vidé le haut, nettoyé le haut. Comme ça on n'en parle plus et après il y aura le bas à faire, quoi. Normal. Et après c'est fini. Et ça c'est trop bien. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Je prendrai la caméra tout à l'heure et je vous montrerai la maison. Déjà le haut qui sera quasiment vide ou peut-être vide. Avoir la motivation qu'on va avoir, parce que là honnêtement Allez, je coupe. Et coucou. Voilà. Bon, on est jeudi. Je sais même plus si je vous ai pris hier. Donc, là, je retourne à la maison pour faire le nettoyage parce que ça y est, c'est quasiment vide. Donc, que la cuisine à finir. Bon, là, ça va résonner. On ne voit plus. Hop là. Donc, le salon, là, tout est vide. Hop. La cuisine. Bon, il reste que la cuisine à finir. Ensuite, on va monter. Ça, c'est les marches. Bon. La première chambre, donc ça, c'était notre chambre. Elle est vide. Les toilettes. La salle de bain qui est pas finie de nettoyer. Hop. Voilà. Faut juste que je finisse de tout nettoyer. Ensuite, hop, ici, c'était la chambre à doudou. Hop, voilà. Hop, et au bout du couloir, c'était la chambre des garçons avec le petit balcon dehors. Et puis voilà. Donc là, hop, il me reste la salle de bain à faire, les toilettes à terminer, le mini couloir ici, et après on est bon, je descends et j'attaque le bas après. Donc voilà, et là il y en a hop, deux qui finissent de nettoyer le bas, enfin l'extérieur. Allez, à tout à l'heure, je vous reprends un peu plus tard. Hop. Désolée si on n'y voit pas très bien, mais ça y est. On s'en va, on est sur le départ.
Donc voilà les quelques petites vidéos sur la semaine. On a encore quelques travaux à faire avant de partir réellement. Mais vous saurez tout ça dans le prochain épisode. Donc j'espère que cette petite semaine vous aura plu. T'arrives ? T'arrives plus. Lumière, là, ou quoi ? Ouais. Ah oui, quand même. On est dans le noir. Donc voilà. On va faire comme ça. Voilà. Oui, on aura été toute la semaine à vider, à nettoyer. Voilà, bon, il nous faut revenir quand même un petit peu, faire quelques bricoles. Mais là, c'est fini. C'est le départ. Voilà. Et moi, j'ai pas une super tête. Il faut que vraiment je me repose un peu parce que je crois qu'on est, lessivé. On n'en peut plus, on a mal partout. Donc là, on va prendre quelques jours. En plus, c'est le réveillon, donc on va profiter. On va picoler entre nous ce soir. Et donc on disait avant que ça coupe parce qu'il y a un doigt qui est arrivé. On va picoler entre nous tranquillement ce soir et puis voilà, je crois qu'après on va se reposer pendant quelques jours tranquillement. Voilà, et puis on reviendra pour de nouvelles vidéos dès l'année prochaine. Voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer un petit peu par là, là, et à vous abonner. À activer la petite cloche de notification de façon à être mis au courant de toutes nos sorties vidéo. Et si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit like, un petit commentaire. Voilà, vous savez, vous connaissez YouTube. On va pas le redire à chaque fois. Enfin si, il faut le redire parce que sinon tout le monde oublie. Voilà. On vous embrasse, on vous dit à très vite, à très bientôt sur Mamanda Family officielle. Bye bye.